Une fête de lutte comporte bon nombre de passes. Évidemment, pour combattre, il faut un adversaire. Les pairs sont formés dans le bureau de répartition. Pour la première passe, les meilleurs s'affrontent avec les meilleurs et les moins bons avec les moins bons. Les passes suivantes sont organisées en fonction des résultats du jour, également dans le bureau de répartition. Le lutteur qui obtient le plus de points gagne la compétition. Dans une passe, la note maximale qu'on peut atteindre s'élève à 10. Score obtenu quand le lutteur fait directement tomber son adversaire sur le dos. Quand le combat se termine par une égalité, que les deux combattants restent debout, ces derniers reçoivent un peu moins de points. Et logiquement, quand on perd, on reçoit encore moins de points. Mais si le lutteur se montre particulièrement combatif, il obtient un quart de point supplémentaire.